Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petite journée particulière. On va pas aller pêcher, mais on va atteler le bateau et direction mon concessionnaire Mercury. Donc je finis mon café et on y va. Suivez-moi. Young Frenchy, 808. Donc là, il me reste une quarantaine de minutes de route. C'est un gros projet qui se concrétise. Je suis vraiment contente de vous annoncer que je vais changer de moteur aujourd'hui. J'ai toujours été très contente des moteurs Mercury, ils sont vraiment incroyables. Et ça y est, aujourd'hui, je vais passer sur la nouvelle génération. Donc je vous présente ça une fois arrivé là-bas. Donc là, je viens d'arriver chez Nord Nautique Loisirs. Vous me suivez? Je vais vous présenter mon nouveau bébé. Donc voilà mon nouveau bébé, le 250 Pro XS V8 de chez Mercury. Donc, vous avez vu la taille de ce moteur? Il est incroyable, il a un design de fou. Vraiment magnifique. Pour le 250 Pro XS, j'ai choisi de garder ma direction électro-hydraulique avec ma commande DTS et mon SmartCraft. Du coup, pour cela, j'ai dû acheter le vérin Mercury adaptable. Et j'ai choisi une hélice Fury 3 pales en 24. Voilà, j'ai hâte de voir tout ça en action. Mais avant de suivre le montage, je vais vous présenter un peu le concessionnaire et puis voilà, à tout de suite. Là, vous avez le fameux Avator. Ensuite, il y a des petits accessoires. Des Mercury en attente. Vous avez plusieurs hélices de chez Mercury là. Celle-là, elle est magnifique. Donc voilà, maintenant place au démontage du Verado. Le Verado est prêt à partir chez son nouveau propriétaire. Maintenant, place à l'installation du Pro XS. Donc voilà, le moteur il est installé. Avant de faire ronronner la petite bête, je vais laisser Laurent se présenter. Il va nous expliquer un peu ce qu'il a fait aujourd'hui et parler des activités au sein de Nord Nautique Loisirs. Laurent, responsable technique chez Nord Nautique Loisirs depuis une trentaine d'années maintenant. Donc sur le moteur, moins sur le bateau de Marina, aujourd'hui on a fait un échange de moteur
On avait donc un Verado L6 250 Pro et on vient donc de passer avec un V8 Pro XS 250 chevaux. On a donc remonté en lieu et place le nouveau moteur et fait tous les nouveaux paramétrages, configurations intégrales de la nouvelle bête dessus. En conservant, donc on était avec une direction hydroélectrique. On a donc conservé en fait le module électrique intérieur mais passé en vérin extérieur. Mais on récupère le même confort que si on avait l'hydroélectrique de l'ancien Verado. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller, on va dire, mettre le bateau à l'eau, finaliser les essais de réglage, contrôler les premiers points. Donc maintenant, reste à suivre et à valider ce nouveau montage. Et après ça, suivre un entretien régulier comme tous les moteurs. Donc première révision au bout de 20 heures. Et après ça, une révision annuelle toutes les 100 heures ou un an afin de valider une garantie qui peut être extensible jusqu'à 5 ans si on suit un programme bien précis du constructeur Mercury. Donc voilà le bateau, un petit peu, on va dire que maintenant, un beau bébé, même si l'ancien bébé était déjà très très beau, avec cette belle déco qui, à première vue, va être changée pour du rose, ce qui devrait lui donner encore un look un peu plus agressif et sympathique à l'image de Marina, en lui souhaitant le meilleur pour ses activités de pêche et autres, pour suivre dans le futur. Voilà, il est temps de rentrer à la maison. Maintenant, on va mettre en place les petits accessoires pour le transport. Donc ça, c'est des blocs direction. Voilà, ça bouge pas. Et voilà, donc j'ai aussi une housse de transport dédiée pour le 250 Pro XS. Voilà, la housse est installée, elle est vraiment au top, c'est du sur mesure quoi, elle est magnifique, regardez-moi ça. Donc cette année, malheureusement, vous ne verrez pas mon bateau à la Mercury Fishing Cup à Vassivière. J'ai malheureusement des contraintes professionnelles. Mais je vous invite à suivre cet énorme événement via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et on se donne rendez-vous pour la Mercury Fishing Cup édition 3. Donc voilà, je voulais dire un grand merci à Yann Dicro pour le soutien de ce projet qui me tenait à cœur. Un grand merci à toute l'équipe Mercury et aussi à mon concessionnaire référent Nord Nautique Loisirs qui sont toujours au top. Voilà.